Alors, on approche à grands pas de la fin de la modélisation. Il nous reste deux petites choses à faire, donc le connecteur ici et puis la petite caméra là. Enfin, trois choses, la petite caméra, mais la petite caméra, il faut faire ce cache noir là qui va contenir l'écran, qui va aller sous la vitre. Donc, j'ai trouvé des photos intéressantes là pour ce connecteur. Alors, on voit qu'il y a un petit circuit imprimé à plat. Une sorte de circuit imprimé avec des petits connecteurs en dessous là. Ici on a deux petits blocs qui servent de détrompeur. Voilà, puis il y a ce petit cadre en métal qui va permettre de forcer l'entrée du connecteur. D'ailleurs, j'ai trouvé en cherchant PS Vita Connector sur Google Images, j'ai trouvé ça intéressant. L'image consultée, la page nous emmène vers un forum dans lequel on va trouver ces deux images. Celle-ci, donc on voit le connecteur et on voit que la partie inférieure là sert donc de détrompeur. Et là on voit donc cette petite plaque, voilà, qui est en renfoncement, la plaque en métal. Et puis ce petit bout de circuit imprimé avec les petits pins de connexion. Je pense qu'il y en a au-dessus et en dessous. Quant à savoir le nombre, on peut les compter là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 en bas. J'ai l'impression qu'ils sont décalés, ceux d'en haut là. D'avoir 21 et 21, mais ceux d'en haut sont légèrement décalés, mais on va peut-être pas se prendre la tête avec ça se verra pas. Alors voilà, donc on va essayer de reconstruire ça. Voyons voir cette image. Je regarde les petites plaques en métal là. Ok, celle-ci est un peu plus parlante en fait. Ok, allez, on va aller faire ça vite fait. Donc, le connecteur va entrer ici. Alors, on va se mettre en vue de front. Et on va tracer un petit rectangle avec des coins arrondis. On va créer Rectangle, Geometry, Standard Primitives ou si Standard Primitives, ça devrait suffire. pardon, dans les. Je me demande si on fait un rectangle, un cube, coin arrondi ou un. On va faire un rectangle. Donc on va aller dans Create Splines. On va faire un rectangle que l'on va tracer là. Voilà, comme ça. Et si je passe dans l'onglet Modify, on a ici un corner radius, vous voyez. Donc, on va prendre un corner radius médian, puisque là, ça déborde un peu, là. Et là, c'est un peu plus lâche, mais le connecteur, en fait, il vient pas vraiment au bord, vous voyez, là, là, on a de la place, là. On voit aussi là, on a de la place, on n'est pas super raccord. Donc on va pas s'ennuyer avec ça. On va le rétrécir un peu comme ça. Un petit peu en hauteur. Et on va dire que c'est suffisant. Alors là, on a un rectangle. On a uniquement un rectangle, une spline, des lignes à plat. On va les ramener ici. Et à partir de là, on va. Je vous propose de convertir ce spline, ce rectangle, en editable poly. Voilà, comme ça il me remplit ça. Maintenant, si je vais dans polygone, donc j'ai un gros polygone ici. Ce que je vais faire, c'est un inset. Voilà. Alors, si je fais un inset, en fait, vous allez voir. Le problème, c'est que il me trace pas de ligne là entre les vertex.
Et ça, c'est ma foi plutôt plutôt ennuyeux. Hein? Et je vous ai dit une bêtise. Non, c'est parce que j'avais pas appuyé sur F4. Donc, au contraire, voilà pourquoi on fait un offset, pour avoir ce côté défini en sous forme de quad. Parce que je me suis mélangé durant une seconde, je pensais qu'il fallait pas faire un chamfer à plat. Mais même le chamfer à plat nous aurait donné un résultat équivalent. Très bien. Maintenant, on va extruder ces faces là autour. Donc, je vais me remettre en vue de front. Je vais peut-être changer la couleur de cet objet pour quelque chose d'un peu plus sombre. Voilà. Et on va extruder donc ces polygones que l'on a là autour. Ok. Donc, je sélectionne le premier, j'appuie sur majuscule Shift. Le deuxième, et hop, il sélectionne tout le contour. Et maintenant, on va faire extrude. Voilà. Alors, je sais pas trop quelle profondeur, mais et on va dire qu'un truc comme ça va suffire. Je valide. Et on va créer les petits débords. Alors, voyez ces petites parties en métal là qui dépassent là et là, on voit mieux peut-être sur cette image, voyez. Fais un zoom. Ici le cadre en métal, donc on a ces petites lamelles là qui dépassent ici et là, et idem là. Donc on va refaire ça. On va sélectionner les polygones que l'on a là. Et on va les extruder. Extrude. Moins que ça. Voilà, même. Alors normalement, c'est, enfin, ils sont même beaucoup plus plats. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais extruder un tout petit peu. Je vais réduire la taille de ces faces. Donc je vais sélectionner uniquement celui-ci. Et avec R scale, je vais réduire comme ça. Alors, je regarde en même temps là en bas le pourcentage de réduction. Voilà, je vais réduire à 30. 30%, ça ira bien. Ça, je vais mettre comme ça et je vais faire la même chose ici. 30. Alors là, c'est sur l'axe Z. Là, réduction 30%. Et de ce côté, une réduction de 30% en X. Ok. Maintenant, je vais reprendre. J'aurais pu travailler en symétrie, ça aurait peut-être été plus pratique, mais bon, c'est pas très grave. Je vais retourner voir l'image. Ok, c'est pas très grand. Puis hop, ça part vite à l'extérieur. Donc, il faudrait que j'extrude plusieurs fois avec une rotation. Donc, on va extruder une fois. Donc, je vais faire un extrude. J'extrude un petit peu. Je valide avec plus pour faire une autre extrusion que je vais que je vais valider. Je vais tourner la face. Alors, pour que ce soit plus pratique, je vais mettre le angle snap toggle. Je vais tourner cette face. Alors, je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux quand même. Ouais, je vais la tourner comme ça, on va dire à 45 degrés. Voilà. Et je vais la déplacer par là.
Alors, faire un truc comme ça. On va essayer de faire à peu près la même chose en face. Donc, je vais extruder en même temps tout ça. Essayer d'avoir la même longueur que l'autre là-bas, que la première extrusion. Elle est faite. Donc, on va faire une autre extrude. Voilà. Ben là, on est, vous voyez, à la même distance. Donc, on va valider celle-là. Plus. Et là, celle-ci devait être à la même distance. Je vais la valider, puis j'aurai plus qu'à tourner les faces de la même façon. Donc, je vais prendre cette face-là. Je vais la pivoter à 45. Voilà. Et puis, vue de dessus, comme ça, je vais la déplacer par là. Voilà. On va faire la même chose pour celle-ci. Donc celle-là, je vais la pivoter vers le bas de 45 degrés. Celle-ci, je vais la, pardon, la pivoter vers le haut. 45. Ensuite, je vais déplacer ça par là. Et déplacer celle-là. Vers le bas, comme ça. Voilà. Ok, maintenant on va créer un petit encart là dans la face du fond pour placer notre notre connecteur. Donc je vais faire un inset. Je vais faire un petit inset comme ça et je vais faire un petit cut. Un cut, vous allez voir, on va faire un cut de là à là. Je vais désélectionner les faces, ce sera plus pratique. Un autre cut de là à là. Un autre cut transversal. La même chose ici. Voilà. Et maintenant que j'ai ce rectangle, je vais refaire un inset à l'intérieur. Et voilà, ma plaque va simplement venir ici, ma plaque de connexion. Et ça, j'ai plus qu'à l'extruder. Voilà. Un peu plus long. Un peu plus. Voilà, ça devrait être correct. Ok, maintenant on a dit qu'on avait 21 pins là-dessus, donc si je veux les tracer ligne par ligne, on peut faire 21, on peut faire 21 lignes à l'intérieur. Donc on va faire on va sélectionner ce edge là et celui-ci, et on va faire du connect donc là il me faut 21, il me faut 42 segments, voilà. Et on peut considérer qu'on va avoir un connecteur là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Donc je valide. On va refaire la même chose de ce côté. Donc un connect 21. Voilà. Alors après il va falloir sélectionner les connecteurs. Il va falloir sélectionner les faces, une face sur deux, pour les extruder un peu.
Il me semble qu'il doit y avoir un truc pour sélectionner ou désélectionner les éléments 1 sur 2, mais dans la trousse à outils graphite, mais là tout de suite je me rappelle pas, donc bon, vu qu'on n'en a pas quand même 40 000, on va les sélectionner à la main. Et on va faire une toute petite extrusion. J'ai dit une toute petite extrusion. Voilà, on va faire une mini extrusion. Comme ça ira très bien. Ici, ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on va pas on va pas appliquer de turbo smooth à tout ça. Parce que c'est vraiment une pièce qu'on voit pratiquement pas. Donc on va juste affiner un petit peu ça là, que ce soit un peu plus arrondi, un peu plus beau. Donc on va prendre un swift loop. Ici à la verticale, mais on va appuyer sur Shift, sur la touche majuscule pour essayer de conserver. Ah, l'arrondi part pas du bon côté. Donc on va essayer d'en mettre un là. On va commencer là. Ouais. Attendez, je vais sélectionner une ligne ou un polygone, peu importe, voilà, là, pour les rotations, c'est plus facile. Donc Swift Loop, j'appuie sur majuscule, et je sais pas si on va le voir là, mais voilà, vous voyez, si j'appuie sur majuscule, ça décale le Swift Loop un peu là, de ce côté, comme ça va me permettre de créer là l'arrondi. Donc je vais faire un Swift Loop là, en appuyant sur majuscule. Bon, celui-là, je sais pas pourquoi il me le met comme ça de travers. Bon, je vais abandonner ça. On va le mettre sans appuyer sur majuscule. Et puis, je vais le décaler un peu à la main. Je vais décaler ces vertex. Voilà, pour commencer à donner une courbure. On va refaire un swift loop là au milieu. Et ces vertex, je vais les décaler un peu par là. Si je remets des Swift Loop en appuyant sur majuscule, non, je sais pas pourquoi il a. Celui-là il est pas bon. Celui-là maintenant il veut bien. Il a bien compris qu'il y avait une tendance à la courbure là. Bon, ça ira bien comme ça. Allez, il faut faire la même chose sur les autres. Donc on va revenir ici. Sélectionner quelques points pour pouvoir faire mes rotations. Donc Swift Loop. Donc un Swift Loop là au milieu. Je vais refaire parce que je fais le Swift Loop. Maintenant que les points sont sélectionnés, je vais les déplacer. Ce sera plus pratique. Non, je vais déplacer les autres. Ceci, un petit peu comme ça là-bas derrière. Voilà. Un Swift Loop là. Ceux-là, je vais les décaler comme ça. Puis on va refaire un Swift Loop en appuyant sur Shift là et un là. Voilà. Même chose encore ici. Donc un premier. Je vais juste je vais mettre dans cette vue comme ça. Hop, je tourne un peu ça par là. Là, je vais décaler ça ici. On va en refaire un autre sur Shift là et un là. Très bien. Et puis même chose en haut, un swift là au milieu. Je décale ces points un petit peu. Un swift ici que je décale par là. Et puis un petit swift en appuyant sur majuscule. Voilà. Voilà, comme je vous disais, on va pas mettre de turbo smooth sur cette pièce. Ça va être une pièce cachée. Là, il nous manque juste les deux petites bosses là qu'on voit sur les photos là. Vous voyez ça? Donc ça commence pas tout à fait au bout de la plaque, un tout petit peu à l'intérieur, et puis l'espace au milieu représente à peu près la moitié de chaque petite bosse là en largeur. Donc on va faire ça. On va mettre
dire. Alors, pas sur Shift, mais CTRL, voilà, je sectionne ces deux lignes. Et je vais prendre. Non. Voilà, ces deux lignes-là. Connect. Alors, je vais mettre 4 subdivisions. Je vais. Non, pas de slide, du pinch. Voilà, jusque-là. Ok. Cette ligne et celle-ci, je vais les rapprocher. Alors, le mieux, c'est que je prenne leur vertex. Donc, je sélectionne les edges. Je fais CTRL-CLIC sur vertex ici. Ça, il me sélectionne les points. J'appuie sur R. Et je vais les rapprocher comme ça. Voilà. Peut-être un petit peu moins. Ok, et comme vous avez vu venir le coup, si je sélectionne ces deux edges, ces deux polygones et que je les extrude un peu vers le haut, on devrait obtenir ce qu'il nous faut. Voilà. Hop. Donc ça c'est ready. Maintenant, je vais simplement remettre mon pivot au milieu dans hiérarchie, affect pivot center to object. Je vais mettre ça à l'intérieur. Bon, je pense qu'on doit avoir quand même une sorte de boîtier. Il doit y avoir une autre sorte de cache à l'intérieur là, qu'on voit pas bien. Je pense qu'il doit y avoir un truc dans ce genre. Ok, voilà, bah écoutez, on a notre connecteur, peut-être le rentrer encore un tout petit peu, mais voilà. Bon, ça c'est fait. maintenant il faut qu'on s'occupe de la partie arrière, là, derrière le miroir principal avec la caméra. Comme on le voit ici. En fait, c'est pas trop compliqué. Il faut reprendre le contour de la vitre, refaire un truc à plat à l'intérieur, découper la place pour l'écran, et puis placer la petite caméra aussi avec une découpe. En fait, il faut faire un cache noir là. Ok, donc on va voir ça dans la leçon suivante. À tout de suite.